Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va s'attaquer au Klingo. Donc, c'est une gamepad qui est un peu particulier, on y reviendra. Donc, qui m'a beaucoup intéressé, donc quelque chose que j'ai pris chez Mobile Fun. Donc, qui va être utile pour un confort sur smartphone. Donc, c'est mis comme un gamepad universal qui améliore les performances et le confort avec un smartphone. Quelque chose de plutôt intéressant comme ça. Voici comment ça se présente. Donc en fait, c'est quelque chose de tout court, en fait, ce qui va permettre un petit support afin d'avoir justement la possibilité d'avoir un confort manette tout en ayant, en gardant le côté un peu tactile pour ceux qui préfèrent quelque chose de tactile par rapport à une vraie manette ou quelque chose de plutôt plus simple à transporter, plus léger. Au niveau du design, donc on aura quelque chose qui sera pas plein, donc c'est côté adhérence au final. Plutôt sympa, donc ça a l'air quelque chose de plutôt résistant. En fait, c'est juste un morceau de plastique. Ici, on a même une simulation des gadgets, même je trouve que c'est pas forcément important de les avoir mis. C'est juste pour du design, à la limite pour faire croire que c'est une vraie manette, mais ça n'a pas de réel intérêt. Et donc la marque Klingo. Nous avons ici en fait une petite feuille de protection. Donc, conservez ce couvercle et réutilisez-le pour protéger le coussin Klingo. En fait, l'intérêt de ça, c'est qu'on puisse tout simplement, donc nous nous retrouvons avec la manette, donc là sans la cover, on a même des poussières qui se mettent dessus, alors apparemment on peut mettre un peu d'eau pour virer tout ça, hop, on va coller, donc là j'ai pris mon petit Zopo, et on va le coller, alors c'est une colle qui tient très très bien, c'est-à-dire que pour l'enlever, il va falloir y aller, hein. Alors attention à tout ce qui est en verre, donc là j'ai pris mon Zopo, j'ai éclaté la vitre parce qu'elle s'est décollée en même temps, parce que la colle est tellement forte que malheureusement ça vient de l'éclater complètement. Donc au niveau de la manette, je n'irai pas plus loin dans le test, tout simplement parce que il suffit d'avoir un smartphone qui est donc à un dos en verre par exemple, ça l'a complètement explosé quand je l'ai décollé, donc malheureusement je ne la recommande absolument pas, puisqu'elle vient de casser mon téléphone, donc je suis extrêmement mécontent, et je sais pas comment je vais pouvoir faire ça, puisque c'est quand même un téléphone que j'ai payé, et donc j'ai bien les boules. Voilà, à bientôt pour de prochains tests pour AndroGames.fr.